Des fois, il y a trop de bruit autour, du coup, ça j'arrive pas à me concentrer. Et des fois, j'arrive pas à me concentrer normalement, quoi. C'est parce que je me concentre pas trop sur mon travail, des fois. Donc, par exemple, des fois, il y a des papillons. Je suis là, il y a un papillon. Bah oui, tu le dis aux copains aussi. Oui. Je fais, il y a un papillon. Après, ils disent à l'autre, à l'autre qui est à côté. Et après, ils le répètent fort. En fait, t'as déconcentré toute la classe. Voilà. Je fais, il y a un papillon. Après, l'autre, il fait, il y a un papillon. Puis l'autre, il y a un papillon. Et après, tout le monde fait, il y a un papillon. Et du coup, après, tout le monde rigole. Je me tiens sur ma chaise un peu freestyle. Parce que. Je sais pas, j'aime bien être comme ça. Puis. Je sais pas, sinon, après, je bouge trop et tout. Enfin, je suis toujours en train de bouger un peu et tout. Alors, si je me mets comme ça, je suis calé, je peux plus bouger mes jambes. Donc. C'est comme si je devais tout le temps bouger, sinon après, j'arrive, je suis pas. Je suis pas. Je sais pas, moi, je bouge pas, je suis pas bien, je sais pas, c'est bizarre. En cours, soit c'est la prof parle, tout ça, je la regarde, je l'écoute, mais je sors du cours et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai appris, quoi. Ou sinon, c'est sans faire attention, je me fais engueuler par le prof, ou je me fais reprendre plusieurs fois par le prof parce que je suis en train de parler avec des gens. Qu'est-ce qui te déconcentre aussi à l'école? Ce qui me déconcentre, c'est. Je vais voir dans les livres. Ce qui me... Alors. C'est la marmite au cerveau.